Previously on Netflix in the Magic Universe, motherfucker. C'est la fin du monde. Les pays se sont mis en guerre entre eux les uns les autres. Des milliards de bombes nucléaires ont été larguées. Pratiquement tout le monde est mort. Je suis l'un des seuls rescapés. Une tour radio. Je me permettrai d'envoyer un signal. On alertera la population. Notre présence. Si on veut arriver en vie, je crois qu'il va falloir qu'on fabrique un arc. Je crois que je les ai tous eu. La tour radio est là. Est-ce que vous me recevez à vous? Ici le Spiro Gaming. Si vous voulez, je peux vous donner les coordonnées de notre camp. Néanmoins, il faudra vous y rendre vous-même. Proche du lac du vallon de Rio, vous serez donc traqué. Votre chemin sera plein d'embûches et de détours. Je pense qu'il est temps de passer à l'attaque. Allez, venez, bande d'enfoirés! Allo Spiro, vous me recevez? À vous. Oui, je vous reçois 5 sur 5. Et du coup, comment ça se passe? Eh bien, quelques petits accrochages sur la route, mais rien de compliqué à gérer. Ça y est, j'arrive sur la voie ferrée. Oh, mais pose s'il te plaît, je veux pas rater le top du Hulk. Oui, du coup, vous êtes à la voie ferrée, excellent. Alors du coup, suivez-la pendant 2 km et après, vous n'aurez plus qu'une petite balade de santé à faire avant d'arriver à notre base. J'ai compris. Comment est-ce que j'accède à la voie? Selon la carte, il devrait y avoir un petit sentier sur votre gauche qui vous y conduit directement. Ok, je me dirige par là. Ça me dit quelque chose. Je suis déjà venu ici. Spiro, je viens de trouver un ancien tunnel. Peut-être que... Négatif, je connais ce tunnel, le risque il est trop élevé. Pourquoi? Il y a quoi à l'intérieur? Faites-moi confiance, il vaut mieux pas. D'accord. Continuons. Je rentre dans le tunnel. Allô, tu me reçois? Eh merde, il a survécu. Ouais, c'est bon, je te donnerai les 10 balles du coup tout à l'heure. Vous savez, tout ce que vous dites quand la séquence est allumée, je l'entends. Hein. Oui? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu de la compagnie. Un gars armé, masqué. Avec des lunettes de ski et une sorte de couverture sur la bouche. Vous voyez qui c'est? Un membre du clan Chevrier, ok. Si vous en avez vu un, c'est probablement qu'il y en aura d'autres pas loin. C'est pas du tout le genre de gars, je pense, avec qui on peut discuter. Bon, je fais quoi alors? Vous vous souvenez du tunnel de tout à l'heure? Oui. Eh ben prenez le tunnel tout à l'heure. Vous avez pas dit qu'il était genre très dangereux? Ouais, mais avec de la chance, c'est de l'histoire ancienne tout ça. Bon bah, au point où j'en suis. Alors écoutez-moi bien, ce tunnel c'est un vrai labyrinthe avec un chemin principal qui donne sur des dizaines de couloirs qui eux-mêmes donnent sur plusieurs pièces et même sur des miradors. Très bien. Et bah dans ce cas-là, tu vas devoir rester sur le couloir principal jusqu'à la sortie. Ah d'accord, ça marche. Déjà que tu te rajoutes un détour dans le bunker qui fait pas du tout avancer la tringue, autant aller droit au but. Hein. Ouais, je comprends.
J'ai besoin de savoir. Pourquoi est-ce qu'il est dangereux ce tunnel au juste? Eh ben, pour tout vous dire, à une époque, ce bunker, c'était l'une de nos bases. Mais du jour au lendemain, on avait perdu le contact avec cette base. Et vous avez envoyé une équipe? Ce bunker, il était beaucoup trop loin de notre base, et envoyer une équipe, c'était un risque beaucoup trop important. Du coup, vous n'avez jamais su ce qui était arrivé, en fait? Il s'agissait très probablement d'une attaque du clan des chevriers, mais bon, après, on n'est pas à l'abri que... Après quoi? Enfin, après, il est possible qu'il s'agisse d'une attaque de... Zombies! Ouais, exact, mais comment vous avez deviné? Des zombies classiques, des zombies Minecraft, et même des zombies Michael Jackson. C'est dans mon bateau, dans ma base. Si tu crois que tu vas pouvoir avertir tes petits copains? Ah ben je suis désolé de t'annoncer ça comme ça, mais ça va pas être possible mon pote. Attends, quoi? Vas-y, fais le mec qui comprend qu'à moitié ce que je lui dis qu'il comprend pas. Quoi? Attends mec, je crois qu'il y a eu un quiproquo là. Je bosse pas avec ce type qui traîne dehors. J'essaie de rejoindre ce lieu. Doucement. Et au pire tu vas faire quoi? Me tirer de l'air? Bon, avec de la chance, il restera peut-être une balle que j'ai dans le canon. Ouais. Bon en tout cas, c'est là que je dois aller. Ça fait loin. Mais c'est faisable. Et qu'est-ce qui me prouve que t'es pas en train de me mentir? Ben, on était amis à une époque. On a vécu pas mal d'aventures. Pas convaincu. Et en plus, je suis arrivé dernier aux deux dernières éditions de la boîte à mensonges challenge. Une meilleure preuve que ça, j'ai pas. Ah oui, quand même. Bon, vas-y, je te crois, mais je t'accompagne. Ok. On arrive bientôt à la sortie. Hé! S'il vous plaît, regardez-nous, on n'est pas des pillards. Ok. Essayez d'atteindre un refuge de survivants. Joignez-vous à nous, on n'est pas très loin. Ok, et dans ce cas, je suis votre homme. Salut à toutes et à tous. Et oui, c'est encore moi, le Spyro Gaming, pour vous servir. Et maintenant, jusqu'à la fin de la vidéo, je vais être une voix off. C'est plutôt cool, non? Bon. Maintenant réunis, nos amis continuent ensemble leur expédition au Rove vers le fameux refuge. Et un changement d'habit et trois pauses pipi plus tard. Nos amis continuent leur péripétie, ou devrais-je dire leur expédition, vers le mystérieux refuge. Sur le chemin, ils ont dû éviter de grosses flaques d'eau, ont découvert d'antiques tables de pique-nique perdues, mais ceci ne les a pas arrêtés vers leur objectif. Un long chemin restait à parcourir. La route fut par la suite plutôt paisible, si on excepte la horde d'infectés qu'ils ont rencontrés, dû esquiver discrètement, par la suite combattre car ils n'étaient pas discrets, et encore par la suite fuir car les zombies étaient trop forts pour eux. Mais bon, c'est dommage. Les caméras n'avaient plus de batterie. C'est ballot. Après une heure de rando, des détours inutiles et une dégustation de fruits sauvages douteux... Alors? C'est bon?
Préparez-nous. Nos amis arrivèrent enfin à destination. Mec, on ne passera jamais. S'il vous plaît, regardez-nous, on n'est pas des pillards. Fais une tête un peu méchant. Ouais. Un peu moins méchant. Tchaka tchao. Tu dis, ton chargeur est vide. Ton putain de chargeur est vide, mec. Ton chargeur est vide, bordel de merde. Et je... Oh putain, la tête de l'araignée. Ah, c'est génial. Voilà. Apparemment, on est dans le même bateau. Je me réponds à un pirate. Ouais. Non, t'es dans mon bateau, là, dans ma base. Et si tu crois que tu vas pouvoir attirer tes petits copains? Ouais, la racaille. Voilà, y'a quoi maintenant, y'a quoi? Je vais me manger. Je l'ai plugué. Ah, on y croit. Que vous allez pouvoir me buter, puis me voler, et que demain après, le mec il va rentrer. Me buter, vous allez me voler, et après quoi, hein? Après quoi? Mieux là, c'est bon? Bah là, il y a déjà qu'il y a deux bateaux qui passent, donc mieux non. Zombie! Quand même, moi, je vais me manger. C'était bien ou pas? Ça a l'air bien, ouais. Ça a l'air tarpé bien. Ta lampe torche, elle est un peu trop. Tiens, mets dans les bas. Pour voir. Ouais, non, vas-y, mets là. Attends, quoi? Attends, quoi? Attends, quoi? Feur! Là, je vais essayer de pas bouger. Essaye de faire un plan que sur la Takiwalki, si possible. Tu peux faire un plan que sur la Takiwalki. Ah merde! Ouais, j'étais tellement concentré dans mon truc. Vas-y, tourne-toi juste par là. Parce que en fait, j'ai refait dans tes lunettes. Donc tourne-toi vers moi. Enfin, c'est tellement peur, mais. Tourne-toi vers moi. Tourne-toi un peu plus par là. Voilà, c'est. Je suis personnage de 16 jours. Écoute, moi j'ai un paddle. J'ai pas un bateau qui peut porter que 120 kilos. Laisse mourir. Moi j'ai un kayak, on va être à droit dessus. Ouais. Il va plus vite que ton paddle. Il va plus vite que ton paddle? Ouais. C'est vrai. Sauf que est-ce que tu peux être debout sur ton kayak? Je crois pas. Moi oui. Je peux être debout sur mon kayak. Debout sur ton kayak? Je peux être debout. J'ai jamais vu debout sur ton kayak. Parce que j'ai pas non plus envie d'être debout. Je préfère être assis. Ça veut dire on peut mettre une voile. Ça devient une planche à voile. Ouais, moi aussi on peut mettre une voile. On peut mettre un moteur, ça devient un zodiac. Comment on peut mettre une vague et je la brise de Nice? Eh ouais. J'ai l'impression que tu commences à avoir mal au bras. Eh ouais. C'est bon? Au revoir. Tu veux ce trombier? Ils sont beaux. Ouais. Attends, les deux vitesses ils vont pour ensemble là. Ouais. Ils sont beaucoup trop nombreux. Voilà, là c'est nickel. Vas-y, j'ai mal au bras. Tu veux quoi toi? T'as un problème? C'est bien ce que je pensais. Tu penses que. Si tu penses que vous allez pouvoir. Si tu penses que vous allez pouvoir me tuer. Là c'est mes zombies tressants de lui, genre il sait qu'il va me bouffer, tu sais. Mais ouais. Si tu penses que vous allez pouvoir me tuer puis me voler pour un peu plus de. Si tu penses que vous allez pouvoir. T'as mis tes mains devant la tête. Oh là là.
Vas-y. Non, en fait, non, ça c'est pas mis. Refais.